Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour un hôtel tour et room tour donc à l'hôtel Campanile. A tout de suite. Donc là vous avez le parking donc ici. Voilà. Ensuite donc vous avez l'hôtel. Coucou toi. Donc l'hôtel juste là. Ben, je sais pas, ouais, on va rentrer par là, on va voir. Allez go. C'est là. Ouais, réception. Ouais, on prend direct l'hôtel, ok? Ben, on va prendre direct la chambre, oui. Donc ça c'est le hall de l'hôtel avec plein de jeux. Voilà, et en plus donc, c'est décoré sur le thème d'Halloween. Vous avez des grandes statues là. Voilà. Donc là, quand vous ressortez, donc là, on était à l'accueil juste là. Quand vous ressortez ici, vous avez une partie des chambres sur la droite là. Et au fond, vous avez tout ce qui est restauration. Voilà, pour le petit déj ou si vous voulez dîner là-bas le soir. Donc on est dans les... Oh, c'est rigolo. Oui, n'oubliez pas de visiter notre mini ferme. Oh, bah, ils ont une mini ferme ici. On va voir. Donc ça, c'est le petit ascenseur. Voilà. Et on va découvrir la chambre ensemble. Oh. Alors ça, c'est le couloir pour aller au champ. Alors c'est assez spécial. C'est des lumières rouges. C'est nous ça? Voilà. Donc ça c'est le couloir. Oui, alors on est parti. Il fait un petit peu. Alors donc je vous présente donc la chambre qu'on occupe donc avec Christina. Tu peux enlever ton masque mon grand là. Ah, oui. Donc une chambre. Donc nous c'est une chambre standard qu'on a. Donc on a là côté salle de bain. Donc on y retrouve des porte-gobelets. Vous avez tout ce qui est serviette. Donc ça n'emmenez pas. Vous avez donc le WC. Vous avez baignoire douche. Est-ce qu'il y a un gel douche? Ouais, et donc comme gel douche, c'est comme on avait à l'Explorer, c'est des gels douche et shampoing, ça fait tout en un. Voilà. Et regardez aussi, il y a ça. Ouais, il y a une petite vitre pour pas éclabousser. Donc les serviettes, tout ça, ça y est. Vous avez aussi un sèche-cheveux ici, sèche-cheveux et une petite poubelle sur le bas. Ensuite, donc là, vous avez de quoi mettre le chauffage ou la clim, les lumières donc avec la carte. Au niveau de la chambre, donc... On est sur un grand lit. Voilà. Un lit avec deux petits lits là. Un lit double avec un lit superposé. Voilà. Les tables de chevet. Voilà. Alors au niveau des rangements. Ah oui, il n'y a que ça comme rangement? De quoi? Oui, il n'y a que ces placards là. Donc vous avez un miroir sur le côté là. Donc comme rangement, vous avez ça. Ok, coffre-fort juste là. Et là? Rangement là. Et vous avez la même chose de l'autre côté. Là, là, voilà, là c'est penderie. Non mais finalement ça va, hein, c'est bien. Hein. C'est bien, c'est bien. Vous avez un coin bureau. Alors là vous avez une bouilloire. Et voilà. Un petit coin ici pour ranger. Vous avez la télé et un miroir ici pour vous regarder. Donc voilà au niveau de la chambre qui est très sommaire mais qui est suffisante si vous résidez juste pour une nuit. Je pense que je vous ferai un plan également puisqu'on va dîner à l'hôtel ici et prendre le petit déj aussi. Donc je vous ferai un plan de la salle de restauration et puis voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Donc là on a toutes les entrées froides, les légumes. Ensuite ici on a tout ce qui est plat chaud. Voilà. Faire des spaghettis bolognaise. Là, qu'est-ce qu'on avait? Du poisson, ouais, du riz. Là, j'ai du riz, du ratatouille. Ouais, de la purée, haricots verts. Il y a de quoi faire, hein. Et saucisson de... Les saucissons. Et là, on a tout ce qui est dessert. Oh là là. Alors, pour les gourmands, il y a ça. Il y a même des brochettes de bonbons, t'as vu? Il y a du fromage par là-bas, des gâteaux au chocolat. Des verrines, des fruits quand même, si les gens veulent être raisonnables.
Et là, il y a même pour faire des petits pancakes, bah, dis donc. Donc pour le matin, vous avez également un buffet. Donc là, vous avez tout ce qui est fruits, fromage, charcuterie, tout ce qui est plat chaud ici. Là-bas, vous avez tout ce qui est viennoiserie. Vous avez de quoi vous faire des petits pains grillés. Vous avez des œufs, des céréales, du lait, de l'eau détox, des pancakes, des jus de fruits, etc. Cet hôtel Campanile, donc c'est un hôtel partenaire des parcs Disneyland Paris. Il est à côté de le Dream Castle, le Magic Circus, l'Explorer, etc. que je vous ai déjà présenté. Et vous avez également une navette gratuite. La preuve, voilà, elle est en stationnement. Donc voilà, ma vidéo sur l'hôtel tour et room tour donc à l'hôtel Campanile se termine ici. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura permis de voir un petit peu à quoi ressemblait cet hôtel. Je vous laisse ici, plein de magie sur vous. N'oubliez pas qu'aujourd'hui est un jour parfait pour commencer à vivre vos rêves. À bientôt, ciao !